Horoscope du jour, mercredi 24 novembre 2021. Bélier, natif vivant en couple, vous ferez preuve d'une excessive jalousie. Célibataire, ne jouez pas à rendre vos partenaires jaloux car c'est vous sans doute qui y laisserez le plus de plumes. Le climat sera instable et nullement favorable à des investissements importants. Ne craignez rien, vous n'aurez ni maladie ni accident grave à redouter. Au travail, vous aurez tout à gagner en gardant un profil bas. Numéro de chance 24. Taureau, célibataire. Le soleil et Mercure augmenteront votre charme. Avec cet aspect d'Uranus, voici venir une journée de complications dans votre vie conjugale. La planète Saturne vous protégera contre tout problème financier. Elle pourrait même vous rendre chanceux au jeu de hasard, à condition toutefois que vous n'engagiez pas de grosses sommes. Des rentrées d'argent imprévues sont possibles et même probables. Numéro de chance 8. Gémeaux. Quelle belle perspective pour aujourd'hui. Vos relations avec l'homme ou la femme de votre vie seront principalement fondées sur la confiance et la complicité. Célibataire, préparez-vous à un grand ou une rencontre spéciale en amour. Journée placée sous le signe de la chance, une rentrée d'argent significative ou une prime quelconque ne sera pas impossible. Consultez votre nombre de chances du jour. Si votre métier concerne la bijouterie, attention à un vol ou une escroquerie. Numéro de chance 8. Cancer. Grâce au petit coup de pouce d'Uranus, il est probable que vos rapports conjugaux s'améliorent considérablement au cours de cette journée. Célibataire, avant d'envisager une nouvelle histoire d'amour, il faudrait faire table rase de vos vieux démons. Sur le plan financier, votre côté plutôt rêveur et insouciant pourra vous faire rater d'excellentes occasions que vous offrira Saturne. Dans votre métier, vos conceptions originales auront toutes les chances de se concrétiser. Numéro de chance 3. Lion. L'impact de Vénus vous permettra d'établir une relation tendre et pleine de complicité avec votre conjoint. Célibataire, voilà une journée extrêmement favorable aux déclarations d'amour, aux demandes en mariage. Avis aux solitaires qui veulent se mettre rapidement la corde au cou. Côté argent, vous devez éviter de faire des folies et vous méfier des envies qui vous passeront par la tête. Les natifs qui économiseront pourront bientôt s'offrir un bel objet auquel ils rêvent depuis longtemps. Numéro de chance 21. Vierge, Pluton vous dira que rien ne serait plus néfaste à la vie de votre couple que de vous renfermer sur vous-même. Parlez à bâton rompu avec lui. Dites-lui tout ce que vous avez sur le cœur, mais sans agressivité. Célibataire, si vous avez fait une rencontre récemment, la planète Mars pourrait accélérer les choses. Saturne influencera le secteur des gains, des salaires et des dépenses. Attention toutefois au côté négatif de cette influence, elle pourra en effet vous souffler tout à coup des envies d'achat très difficilement contrôlables. Journée très favorable à la signature de contrats traités. Au travail, méfiez-vous des emportements irraisonnés, surtout si vous occupez un poste en vue. Numéro de chance 16. Balance. Côté cœur, vous aurez tendance aujourd'hui à refuser de faire des choix clairs, ce qui se traduira par une hésitation qui ne vous aidera pas à vous épanouir. Ce sera une journée pleine d'embûches sur le plan financier. Évitez toute spéculation, sous peine d'y laisser beaucoup de plumes. Si vous envisagez de monter votre propre affaire ou de changer d'orientation professionnelle, vous bénéficierez d'importants appuis. Numéro de chance 10. Scorpion, quelques problèmes de couple sont possibles. Ils surviendront surtout à cause de divergences d'opinion sur l'utilisation de l'argent commun. Célibataire, les problèmes importants sont à prévoir sur le plan amoureux. Mars vous incitera à mettre votre énergie et votre combativité au service de votre compte en banque avec succès le plus souvent. Mercure, de son côté, vous soufflera de bonnes idées pour faire fructifier vos ressources. Numéro de chance 16. Sagittaire, pas de problème directement lié au secteur couple. Allez dîner en ville. Toutes les occasions seront bonnes pour casser la routine.
célibataire. Si vous êtes disponible, libre de votre choix, cette journée favorisera la rencontre déterminante de votre existence. Sur le plan financier, la prudence sera recommandée. Étudiez à fond l'état de vos finances avant d'engager de gros frais. De plus, méfiez-vous des transactions trop risquées. De nombreuses perspectives professionnelles s'annoncent. Vous risquez en mesure de prendre des contacts profitables et d'élargir vos horizons. Numéro de chance 1. Capricorne. Les célibataires feront de nombreuses rencontres. Les influences astrales ne se prédisposeront d'ailleurs pas à une grande stabilité sur le plan des sentiments. Ceux d'entre vous qui ont récemment subi une pénible rupture pourront enfin tirer un trait sur le passé et refaire leur vie en préparant l'avenir. Mercure, en bel aspect, vous donnera l'habileté en matière de gestion financière. Cependant, évitez de prendre des risques excessifs. Pour nombre d'entre vous, cette journée s'annonce intégrale à une nouvelle équipe de travail. Numéro de chance 9, Verseau. Dans votre vie de couple, évitez d'être trop dominateur vis-à-vis de la personne que vous aimez, comme vous en avez parfois envie. Célibataire, les aventures sans lendemain ne vous tenteront plus et vous aspirez à trouver le grand amour. Un peu de patience pour la majorité d'entre vous, cette journée sera marquée par une bonne solidité financière et aussi par une certaine chance. Ce sera le moment de demander une prime quelconque ou de tenter votre chance au jeu de hasard. Dans le travail, vous flirterez à nouveau avec le succès grâce au soutien d'Uranus. Numéro de chance 27. Poisson. En couple, si vous préférez fermer les yeux sur les difficultés, la situation risque de se dégrader. Si vous vivez seul, une rencontre importante est possible. Vous aurez la possibilité de réaliser des transactions financières profitables. Vous serez aussi en mesure de régler aujourd'hui une affaire litigieuse qui traînait depuis longtemps. Vos intuitions seront bonnes au travail et vous aideront à réaliser vos objectifs professionnels. Numéro de chance 9. Dame Eurabital, visionnaire astrologue, vous souhaite une bonne journée et vous invite à suivre l'émission Vivre Mieux cette nuit à 23h sur Radio Bénin. Pour tout renseignement, appelez-nous au 96 44 90 89 ou écrivez-nous sur le WhatsApp du 90 01 33 34. Merci à vous et que les bénédictions soient.